Regarde. Re les gens, re, l'enregistrement a été coupé dû au fait de jouer en partage. Donc alors, on va faire la tenue Oh des merde, teux. On ça va va faire. pas ça. Non, c'est bon, c'est bon. On va vous montrer les teux. Alors, on va commencer avec le top 10 des tenues les plus dégueulasses du jeu, mais les plus dégueulasses. Ah, je confirme. Alors déjà, on va commencer par la tenue classique endommagée, si t'es d'accord. Ah, exactement, alors honnêtement, c'est laid. C'est très laid. C'est laid, c'est. Voilà, c'est le deuxième, sa deuxième place. Bon, après, ça rajoute un petit côté épique, tu vois, il est badass comme ça, tu vois, avec les petites blessures, mais voilà, c'est moche. Mais bon, après, je sais pas si t'as vu les tenues du prochain DLC, elles sont dégueulasses. Seulement pour la plus jeune génération, mais sinon elles sont toutes dégueulasses. J'ai pas vu. Ah, la nouvelle génération? Ouais. Elle est Ah très bon. belle, mais sinon le reste, elles sont tous merdiques. C'est la Ah bah seule qui d'accord. est belle. Ah d'accord. Alors écoute, bah voilà, on a bien endommagé. Après. Tu peux choisir. Alors après, je vais vous dire, honnêtement, je déteste la tenue du Scarlet Spider. Ah, moi je sais pas, c'était celle que je voulais le plus, mais maintenant je la déteste aussi, je sais pas. Enfin, au début elle était moche, mais. Honnêtement, je l'aime pas trop parce que honnêtement, je la déteste son petit côté un peu racaille là, avec les brassards et tout ça. Je l'aime pas trop. Honnêtement, je vais vous dire clairement la vérité. Bon, la première version elle était super moche, celle-ci ça va vu qu'ils ont amélioré, Voilà, mais. non, mais la première version, vous l'avez pas vu, mais il est LED. Bon, alors, honnêtement, je pense que les deux costumes qu'on a testé plus, et là, on est sur la même longueur d'onde, hein. Homecoming, hein. Voilà, hein. Ok, ouais, j'avoue, la Tony Stark elle est moche. Au Cette début, je pensais Stark. qu'elle était bien, mais. Alors, déjà, je vais vous dire pourquoi elle est moche. Je déteste les trucs qu'ils ont fait à son bras. Tu sais, c'est le fait qu'on voit son dos et l'araignée qu'ils ont fait sur son torse et sur son dos, il est moche. Maintenant, on a quoi Je comme trouve que tenue? c'est en plus dans le film, c'est un peu moche parce qu'elle est en image de synthèse déjà. Donc c'est laid, c'est laid, c'est horrible, c'est dégueulasse. Bon. Bon, maintenant je te relaisse choisir une autre tenue. Hein. Bon, attends, Ok, oui, quand tu bah. continues, On non, est tu disais. d'accord, hein. Oh, on est clairement Tenue d'accord, c'est. négative. Tenue Exact, négative. tenue négative, hein, voilà, hein. Je l'aime pas du tout. Bon, on me dira, espèce d'enculé, c'est le costume avec l'araignée blanche, oui, mais en négatif, et c'est laid. Ouais, c'est moche. J'ai un respect envers l'araignée C'est blanche. moche. Vous savez que je kiffe l'araignée blanche, c'est mon avatar, je l'aime beaucoup, je l'apprécie, je l'adore, je le kiffe, je le. Voilà! D'ailleurs. Mais Ouais. celle-là, c'est laid! Ok. Pourri! Voilà! C'est dégueulasse. Et Exactement. encore, C'est encore. enfin, je sais pas si elle tu la trouves moche, mais la tenue isolante, elle est Alors, combien une là? isolante. Ah, on est au. Alors, attends, on a fait. Ah non, attends, putain, On est au j'ai pas 4 là. compté. 1, 2, On est au 5. 3. 4. Attends, on avait dit quoi? Au début, on avait commencé avec une endommagée. Après, on a Ouais. fait la tenue de Scarlet 4. Spider, donc les deux. Après, on avait fait le Homecoming. Homecoming. Après, on a fait le Et négatif on a 4. fait la Ouais, négative. 5. On Safe, a fait 5. 5. Donc, en cinquième Bon. place. La tenue parce Voilà. que là, je trouve Alors, non, ça. je trouve pas ça C'est pas super. bien. On dirait qu'il a mis des coussins sur son torse. Oui, voilà, c'est ça. On Le dirait, c'est type, moche. on dirait qu'il s'est levé, il a fait. Ah, je vais me faire une nouvelle tenue, moi, sans mes coussins. Tu vois, il a. Voilà. Enfin, je suis Donc même là. pas sûr qu'on va faire un top 10 parce que j'en trouve plein moche. Ah, Voilà, désolé, mais. bon, voilà, c'est le premier. C'est le premier lait. Voilà, c'est un top 5. Désolé, on s'est trompé parce qu'on n'a pas d'autres très laits. Ah, si, on a une. Si, on a une. Si, on a une. Oh oui, il y en a On a fait plein. Hein. Enfin, un petit top il y a. 6. Je vous propose qu'on fasse un top 6. Hein. Et en première Ok. place, qui est le gagnant? La tenue improvisée. Improvisé. Oui, tu sais, c'est la tenue là, d'Homecoming à la fin là. Tu sais, où genre il a une Oh espèce oui, de oh. jaquette rouge, pull Ouais. bleu et tout, avec des yeux à lunettes chelous là. Ah putain, j'ai envie de vomir. Alors celle-ci, je suis dégueu, je suis désolé hein, si je te vexe, mais je la trouve plutôt ça va. Enfin, je Ah, suis désolé, mais c'est pas je la comme trouve ça Homecoming, va. à part, c'est pas comme la tenue Homecoming, c'est vrai qu'il passe un peu. Mais moi j'aime pas le côté du fait que on dirait qu'il a un gilet pare-balles, Ouais. le mec. En fait, il ressemble à Scarlet Spider, c'est ça le truc, mais. Voilà, Je pense niveau que de la. c'est un. Ouais, il est pas mal, ça C'est la passe même encore. chose, ouais. Ça passe encore. Bon Il n'y a pas bah. ça, ça. Voilà, bon bah on va vous montrer maintenant. Alors, une tenue que je Mais déteste aussi, je d'ailleurs. vous ai pas en parlé. Hein. Bah, voilà. La tenue de Bah, on Black va 4. choisir direct. La tenue Black 4. Hein. La tenue Black 4, je l'aime pas Oh, trop. ça se voit. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a certains défauts. Déjà, les griffes sur les mains, c'est C'est nul, laid. déjà. Voilà. C'est Hein. nul. Peut-être quelques détails qu'on devrait pas mettre, je sais pas moi, sur le Oui, masque genre. déjà, c'est.
Les yeux rouges, ça fait pas trop, tu vois. Non, les yeux rouges, hein, ça, je trouvais que c'était, c'était le truc qui faisait le plus dans le masque. Ouais. Mais après, bon. Je, bon, maintenant on va passer au, au meilleur, hein, le top 10 des meilleurs. Et là, on en a vraiment 10. Bon, on en a même plus que 10, donc. Ok. Bon. Alors, on va mettre. Est-ce que tu es d'accord pour mettre. Bon, je suis pas sûr qu'on va mettre celle-ci en deuxième. En dixième, parce que je la voulais en mettre en deuxième, celle-ci. Parce que. Garde-la pour toi, garde-la pour ton idée, c'est pas de rien. C'est magnifique, quoi. Exactement. Alors, moi, je te dirais mettre la tenue 2099. Enfin, alors, les deux versions ou juste une des versions? Les deux versions peut-être, je sais pas. Oui bah bon, écoute, bah en dixième place, la tenue 2099 qui est assez stylée. Honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi, la tenue de Miguel O'Hara, il s'appelle comme ça ce boulot, je crois, ouais. Elle est très très belle à part ça. Bah les deux étaient magnifiques, je trouve. Hein. Ouais, et le blanc, et le blanc, j'adore son casque, ça fait un petit côté, on dirait gladiateur romain. Tu trouves pas le masque, on dirait un petit gladiateur, tu vois. Ouais, c'est gladiateur futuriste, ouais. C'est grave stylé. Enfin, Spider-Man futur. En Spider-Man du futur, ouais, du turfu, c'est génial. Bon bah voilà, les deux, les 10 et 9. Maintenant, c'est les deux dans le 10. C'est ouais, c'est les deux dans le 10, c'est les deux dans le 10, parce que... Ah, tellement bien, là. Ouais. Je peux choisir le prochain. Alors, le prochain, le top, alors moi, alors c'est le numéro 9, le Spider-Punk. Honnêtement, celui-là, elle me fait délirer, elle me fait rire, cette tenue, oh, oui. Oh là là. Celle-ci, c'est celle que j'ai plus vu avoir, en plus. Voilà, c'est le c'est Spider-Punk, ouais, c'est tellement drôle, elle est hilarante, ça se fout de la gueule des années punk, c'est un truc de ouf. Regardez la crête qu'il a sur la tête, le... Ouais, mais c'est magnifique. C'est drôle. Et son, encore, son attaque ultime, et son attaque ultime, elle est grave stylée, il joue du rock'n'roll. C'est tellement drôle. En plus, ah ouais. Mais, je pense qu'ils auraient mis Spider-Cochon, là, je me... Ce serait tellement un peu improbable. Oui, bon bah choisir, c'est ton top 10. Ah, tu veux pas choisir une tenue pour toi aussi? Mais je t'en prie, choisis. Ouais, hein, juste une. Bah, là, d'accord. Bah écoutez, en numéro 8, hein. Iron Spider, ouais, du film Avengers. Ouais, contre, on était d'accord. Voilà. En plus, j'allais dire ça. En plus, j'allais dire ça. De Avengers Infinity War. Voilà. Ultra stylé, alors là elle est magnifique. De nuit elle rend extrêmement bien. De nuit elle rend extrêmement bien. D'ailleurs en plus parce que de nuit il y a les lumières, il y a les lumières qui sont allumées et tout. C'est magnifique, c'est beau. C'est pour ça que c'est trop bien. Ouais. Donc son ultime elle est géniale. Les quatre bras mécanisés qui sortent du dos, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. Ouais. Et par contre, on parlera aussi de la deuxième version si t'as envie. Alors moi je l'ai pas, la deuxième version. Je sais pas si toi tu l'as, mais moi je l'ai pas. Alors moi je l'adore, hein. Je trouve... C'est pas la celle en rouge doré là, rouge et d'or? Ouais. Ah. Ah bah non, après, alors je sais pas si tu l'aimes. Non mais alors mais... honnêtement je peux pas vous... j'arriverai pas à vous montrer c'est quoi parce que je l'ai pas la 2 parce qu'il faut avoir les DLC pour ça. Ah non. Moi, je l'ai pas. Les DLC voilà, et quand je les aurai je vous les montrerai, hein. À part ça, je vous montrerai mais vraiment tout ce qui... Après mais, je trouve qu'ils ont rajouté un petit truc, hein. Ils ont rajouté un truc qu'il y avait pas dans l'ancienne tenue. Ah. Et qu'est-ce que ça, c'est les... Parce que je vois là, tu penses, c'est celle en rouge et or et... Est-ce qu'elle a un pouvoir de tenue assez stylé? Genre, je sais pas, un truc genre... Par contre, ça c'est le truc le plus dommage, c'est qu'aucune tenue de la aucune tenue de DLC a un pouvoir. Ah bah dommage, alors c'est dommage. Voilà, donc ça c'était le... Aucune, c'est la vérité. Ah oui, à part ce que tu mets toi, c'est... Ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc en 8... Alors je crois que c'est le 8ème, là, ouais, c'est le 8ème. Non, ouais. Le... Attends, 10... Après on avait dit quoi? Ah oui, on avait dit le Spider-Man 2099. 9, les deux. Après on avait mis le Spider-Punk, et après on avait mis le... L'Iron Spider. Spider. Ouais, ouais, donc on est au 5ème. Alors moi, je sais pas s'il l'a lui... On est au 7ème? Ah d'accord, 7ème. On est au 7ème. Je sais pas si lui vous l'a dit, je sais pas s'il l'a, mais moi j'adore la Spider Armure MK4. MK4. Ah, celle-ci. Ah non, c'est MK3. Oh merde. C'est celle à côté de la vélocité. De la tenue vélocité. Okay. Ah oui, non, elle, j'avoue, elle est trop magnifique. C'est... Aussi, oui, alors, mention spéciale. Est-ce que vous savez pourquoi elle est magnifique? Parce que, au cas où, si vous avez pas remarqué, les tenues classiques de Spider-Man, c'est au collant. Et là, c'est du métal, ouais. Frère. C'est du métal pur. Ouais, c'est bien. Et en plus, c'est du bien métal, bien métallisé. Je bien métallisé, ouais, c'est grave brillant. Si vous jouez de nuit ou de jour, la tenue, elle s'illumine et tout, c'est stylé. Donc, voilà, ouais. Pour le 7ème. Pour le 6ème, la tenue Vélocité.
Ah non mais elle, en plus ils ont tellement bien réussi je trouve. Ouais. Avec alors ah oui c'est vrai j'ai oublié de vous parler du pouvoir de l'MK4, c'est le bouclier défensif, ça permet de se protéger des balles. Moi j'adore le vélocité, elle est stylée, j'adore l'araignée bleue Oh. dessus bleutée. Ouais, mais son pouvoir il est nul à chier, hein. Blitz, je Blitz, trouve ça. ah je t'écoute, ça passe, hein, ça passe vraiment. Ça passe, ouais. Donc ça c'est pour le sixième, hein. Pour le cinquième, la tenue du Spider-Man noir, hein, des années 80, l'espèce de. Ah oui, non, elle, c'est des années 30 en fait. Et cette tenue elle est spéciale parce que même dans l'ancien jeu Spider-Man Dimension, Dimension, ouais. bah, c'est celui qui avait l'histoire la plus intéressante parce que 2099, je la trouvais moins intéressante que celui-là. Voilà, Ah, donc elle, alors celle-là était stylée. c'est Non, le incroyable. Spider-Man qui il a un développement de ouf. C'est un cow-boy le C'est bonhomme, tu vois, c'est pas une petite bite, c'est un cow-boy le mec. Oui, Pour donner un exemple en de. plus il y a un flingue Il a un tout. flingue. Bon, malheureusement, évidemment, vu que c'est Spider-Man, on peut pas l'utiliser. Hein. Ouais, dommage. C'est un pistolet à Bon. toile. C'est un pistolet à colle chaude, c'est. C'est le Bon. pistolet à colle. Mais voici pour le cinquième. Pour le cinquième. Je crois que c'est le cinquième, ouais. Ah, il est très bon en plus. Alors, pour le quatrième, qu'est-ce qu'on va mettre? Pour le quatrième. Alors, c'est la tenue DLC, mais je trouve cette tenue DLC vraiment bien. Ah, en plus, je peux même pas la voir. Ah Je bah, sais pas comment elle s'appelle. alors je vais vous Mais. montrer ma tenue 5 préférée. Quoi que non, attendez, c'est Non, la pas quatrième. ouais, la quatrième tenue préférée, ma quatrième tenue. Moi, honnêtement, je sais pas si lui là, mais j'adore la MK3. La MK3, Waouh, elle est trop belle. elle est Ah, c'était géniale. celle. Elle a un côté Deadpool, Deathstroke de DC Comics. Mais oui, elle a les deux, quoi. Enfin, même les trois, parce qu'il est Spider-Man en Voilà, plus. c'est Spider-Man, Deadpool et Deathstroke, donc les deux mercenaires de DC et Ouais. Marvel, plus le marinier, quoi. C'est tellement classe. Ça fait un bon mélange en plus, c'est terrible. On les a là. Hein. Là, c'est la quatrième, Oh. donc en troisième, là, on rentre dans les best game ever. Là, on rentre dans le bonhomme, tu vois. Alors là, celui-là, je pense qu'on est tous les deux d'accord. L'araignée blanche, moi j'ai vu l'araignée blanche, Oui. honnêtement. L'araignée C'est blanche. tellement bon. C'est tellement beau, ça rajoute Magnifique. un beau nouveau truc au personnage parce qu'il a plus. Bah, parce que pour ceux qui se rappellent dans les Ouais, c'est anciens jeux vrai. Spider-Man, il avait des grosses bottines de gamin le bonhomme, et là regarde, il a des chaussures de sport et Mais tout. Il est. oui. Enfin, même dans l'autre, il a les boutines, mais c'est Ouais, classe quand voilà. même. Voilà. Là, il Bon. a des skates, je dirais. Voilà, Enfin, ouais, voilà. incroyable. En deuxième position, et là, je pense qu'on est tous les deux d'accord, la tenue Ouais. anti-hoc. La tenue anti-hoc. Ah, t'as mis l'anti-hoc? Ah, moi, je pensais que c'était en ancienne tenue, là. C'est pas normal noir, Ah merde, c'est vrai. là. Mais Putain, bon, vas-y, on j'ai. fera un top 12, hein. Vas-y, nique ça, mais on fait un top 11. Je vais me niquer mes propres gars. L'anti-hoc, hein, voilà. Du coup, on est en combien de position? On est en quatrième, du coup. Troisième. Troisième, ouais, voilà. Troisième, du coup. Donc, anti-hoc, hein. Très belle. Très Ah, très non, j'avoue bonne. qu'elle est belle, mais. Voilà. Je sais pas, je trouve quand même qu'elle ressemble assez à la tenue blanche. En fait, elle ressemble à la tenue blanche, sauf que c'est en alliage et du métal pur, mon gars. J'aime, je pense. Et son pouvoir de Vas-y. nuit, lui, mon chat, de mitraille d'étoiles à l'infini, c'est drôle. Ravitaillement, ouais, il est trop bien. Ah, en plus, ouais, j'avais même pas utilisé ça au final du jeu. Quand j'avais fini le jeu, j'avais pas utilisé du tout utilisé ça. Là, on entre dans les deux meilleurs. Et là, on est tous les deux d'accord. La tenue vintage. Oui. Moi, je pensais qu'on parlait de la dernière tenue. Putain, c'est encore. On la On spoil est pas. sur la. Chut, 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 chut. Le premier, évidemment, après ce qu'on vous a tous dit, je pense que vous savez déjà qui est le premier, mais on va pas spoil, hein. Moi, je pensais que tu parlais de la tenue réparée. Classique. Classique et réparé? Ouais, écoute, c'est la tenue classique, bah c'est L'original, celle-là, oui. c'est la tenue originelle, vous voyez, c'est la. Ouais, mais. En Voilà, comics. je la compte pas parce qu'on la connaît déjà tous, hein. Dans le jeu, je pense qu'on Ouais. s'attendait tous à la voir. Alors, il est où la tenue vintage? Il est là. Donc, la Elle est vintage. magnifique. Bon, après son pouvoir est nul à chier, mais Voilà, le c'est coup ça de. revient dans Ça rentre tellement bien dans le personnage, c'est blagueur. blagueur. Et Au là. moins. Et là, on rentre dans le meilleur. Et là, on rentre dans le Là, best. c'est. Et là, Bah, on c'est. était déjà dans le meilleur, mais là, tu fermes Là, ta gueule, mon tu ami. fermes ta gueule, tu dis plus rien. La tenue Oh, je tisseur de toile de notre grand et seul, tenue. l'unique De rêver. de René. Le premier connard dans l'espace commentaire qui vient et qui me sort. Elle est moche!
je le chercherai, je le trouverai, et je le tuerai après avoir enfoncé au moins 50 balles dans son bien, bien profondément. Voilà. Faut pas menacer les gens, faut se calmer, faut se calmer. Excuse-moi, mais tu... La tenue de toile est un sacré cul, j'avoue. En plus, je suis hétéro, mais... Je suis hétéro, mais quand même, là, faut pas voilà, dire, voilà, c'est un sacré cul. C'est un sacré bourreau, hein. Ah voilà. Top, je suis gay, hein, s'il vous plaît, dans les commentaires, ça serait sympa. Ça serait sympa, s'il vous plaît. Respectez-le. Toute la vie, mais, alors, s'il vous plaît, respectez-le. Ne faites pas ce que les autres ont fait, voilà. Donc voilà. Donc voilà, tu es Rémi, hein... Qui n'a... Alors, évidemment, le défaut qu'on ne compte pas parce que c'est la tenue de Rémi, tu vois, tu dis pas qu'il a un défaut, bah c'est qu'il a pas de pouvoir de tenue. Ça reste quand même pas un défaut parce qu'elle a pas de pouvoir. Voilà. Je sais pas, ils auraient pu mettre un truc dans le film qui était super bien, enfin, ils ont déjà mis certains trucs, mais là. Dans le film, je pense qu'ils pourraient mettre de ce film à part ça dans le film, il y avait pas trop grand chose d'intéressant dans le film. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre Non, plus honnêtement, j'ai pas d'idée. Je pense qu'ils auraient pu mettre genre un truc genre. Non, je veux dire sortir l'étoile de ses mains comme dans le film, parce que dans le film, il fallait le lance-toi, il utilise les mains. Ah oui, c'est vrai. Ah, il n'y a pas de lance-toi, j'ai oublié ce Ouais. Ça reste un peu bizarre quand même, ça c'est le truc que j'ai remarqué qui était très bizarre. Ouais. Bon, honnêtement, je pense que nous la critiquons point d'une Rémi. Ouais, mais après, c'est les idées de Rémi. Rémi, lui, putain, c'est la maison des idées, quoi. C'est lui qui a... Ouais. Et là, on regrette tous le fait. Et là, on regrette tous l'enterrement de Spider-Man 4. Hein. Ouais, non, mais là, celui-là, en plus, c'est dommage qu'ils l'ont même pas sorti. Il y avait Vautour là-dedans, il y avait Mysterio. Au lieu d'attendre Pharaon, là, Pharaon, je sais pas comment dire. Pharaon, je crois, un truc comme ça. Ouais, Pharaon, je sais pas du tout. C'est le nouveau film prévu, apparemment. Hein. Ouais, mais bon, il y a Mysterio dedans, mais après l'acteur il a l'air bien, mais... Après, si tu me dis qu'il y a plus de références à l'histoire du Spider-Man PS4, hein, si tu me dis qu'il y a Mac Gargan alias Scorpion, alias, comme dirait Spider-Man dans le jeu, Jojo, le barjo, voilà, parce que oui, dans le jeu, il l'appelle comme ça à un moment, genre, c'est quand tu rentres dans la base des méchants, là, quand tu vois qu'il y a... Ouais. Voilà. Et après il dit Mac Gargan alias Jojo le Barjo, parce que nos gens ils disent ça. Bah voilà, d'ailleurs à la fin de Homecoming on a vu Mac Gargan, on l'a d'ailleurs. Ouais, le truc c'est qu'il a même pas, je pense pas qu'il sera dans le 2. Hein. Je pense pas du tout, tellement il y a un méchant prévu pour le 2. Il y en a au moins 10 000, il y a tous les méchants Spider-Man. Là. À part Venom. Venom on peut pas le mettre. Ceux qui veulent mettre Venom, c'est les mecs qui veulent jouer à un gros film, tu vois. Ouais, mais il y avait un jeu où il y avait Venom, c'était Ultimate Spider-Man, je pense. Ouais, il y avait ça, il y avait Webs of Shadow, ou le règne des ombres en français. Ou la toile de l'ombre en traduction. En fait, tu pouvais plus jouer, tu pouvais pas jouer Venom, mais tu pouvais genre avoir un truc, parce qu'en fait, le symbiote. Un bout de Venom s'est mélangé à Spider-Man et du coup tu as le costume noir et le costume rouge. Et du coup t'avais genre un bar de karma où tu pouvais choisir si tu voulais être un méchant ou un gentil, tu vois. Ah moi je serais le méchant, hein. D'ailleurs, spoil pour ceux qui l'ont... Ah putain, il le sait le salaud. Ah il le sait. Je veux tellement me taper Black Cat déjà que dans le DLC je pouvais plus te tenir, hein. J'étais en mode... Elle est belle cet enfant, putain. évidemment pour ceux qui sont sniff, qui a pas de tenue comptée comme par exemple la tenue du Ghost, je veux dire Ghost Rider, Ghost Spider, la tenue à poil, elle est parodique, mec, c'est de là, c'est tellement drôle. Je peux pas te contrôler quand tu la vois, mais bon. J'avoue que moi je peux pas l'avoir parce que j'ai même pas terminé le jeu à 100%. Il a terminé le jeu, il a la tenue anti-lock et tout, mais honnêtement je pense que là il va jouer au jeu juste pour apprécier la tenue de Rémi. Là je pense que honnêtement tous les autres tenues ils sont balés couilles. Ah, là. Je pense ça, mec. Bon, alors je vais vous dire un truc, c'est la tenue furtive, moi je l'aime beaucoup, elle est stylée. Hein. J'avais vu dans un jeu vidéo Amazing, je la trouvais à chier. Alors là, y a plus rien à dire. C'était un carton. Maintenant, ils l'ont amélioré et tout, il est super beau comme ça. Il fait un petit côté espion infiltration, tu vois. Bon, c'est le nom de la tenue aussi, c'est furtif, tu vois. Tu peux comprendre que le mec il est pas là pour taper des kebabs, hein. Ouais, c'est ça, c'est le cas.
Bon, je trouve celui-là quand même un peu bof. Hein. Alors, la tenue, alors la tenue que j'aime pas trop, mais c'est la tenue. Alors comment ça s'appelle celle-là? Fear Inself, c'est la tenue bleue là. Avec les espèces de C'est Ariel. Elle est moche. C'est moche, celle, je la déteste. Je la déteste, non, putain. Après la tenue, une des tenues que je l'aime bien, hein, une des tenues que j'aime bien, c'est la tenue de. Alors, elle s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça parce que c'est le nom du truc quoi. C'est le Spider John Cena. Bon, c'est Spider Catcher en fait. Ah c'est ah donc. Ouais bon je sais. Ouais c'est vrai que bon. Le Spider Catcher mon gars mec. Son pouvoir de nul. Je préfère la nuit de Rémi parce que Spider-Man Catcher dans Rémi parce que là celui-là. Ah, c'était le Spider-Man, bah en fait c'est Spider-Man Catcher. Alors il y a aussi une tenue que j'aime bien parce que c'est un petit côté classe. C'est la tenue, alors c'est laquelle? C'est celle-là, celle-là, voilà. C'est la tenue Dernière Chance. Ah oui, elle, j'adore en plus, hein. C'est celle que je voulais plus avoir. Elle fait grave survivant, putain. Ça c'est Spider-Man quand c'est un jeu post-apocalyptique, tu vois. Ouais, mais bon, après les gens, je comprends qu'ils trouvent ça moche, mais voilà, quand on est fan de Spider-Man et qu'on trouve trop badass. On aime tout quoi chez lui. Comme a dit un grand youtubeur que nous citerons pas pour faire de la pub, l'amour rend aveugle. Honnêtement, je pense que même si le jeu il aurait des graphismes de merde, il serait laid, il serait à chier, honnêtement, je pense qu'on pourra tous dire qu'il est magnifique. déjà quand même. Bon après je sais pas si toi t'as remarqué, mais quand même, le jeu a quand même la caméra dans le cul. Ah non, 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 alors ça c'est un défaut du jeu, c'est la caméra dans le. J'ai raison. Je pense que, uniquement, ouais. La caméra c'est un vieux caméra de 50 balles, mais ça passe, et non. Ouais, c'est un peu le truc qui manque dans le jeu, mais après sinon le reste est magnifique. Sinon le reste est magnifique, c'est le seul défaut, hein, du temps. C'est... Ouais. Vous voyez? Vous voyez, c'est ce jeu-là que Joker aurait dû noter 20. Ouais, voyez, c'est ce. Ouais, ouais, un petit peu aussi. Mais c'est drôle, c'est fun. Ouais. Bon, au moins, c'est amusant au moins. Voilà. Contrairement à The Amazing qui te forçait à le faire. En plus moi j'ai même pas réussi à attendre parce qu'à l'époque j'avais la Wii U, j'avais Amazing. J'ai même pas réussi à passer au premier niveau tellement je comprenais rien. C'est aussi de expliquer mal, il y avait tout de appuyez sur Y pour barrer. Ah par contre furtivité il est pas très bien le costume hein, furtif. Mais ouais, dans Amazing, c'est vrai qu'il y a des compétences tout. La tenue Venom, je crois que c'était une des plus cheatées. Les gars, regardez, il y a une vente de cocaïne sur le toit là-bas, là en face de moi. Là, maintenant on est avec la tenue de Rémi. Là, je pense qu'on va, on va se la jouer film. Hein. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que si je mets la musique du film, est-ce que tu crois que je vais être accusé à tort? Je pense. Hein. Tu sais quoi? Tu sais quoi? On va s'en battre les couilles, on va le mettre. Parce que là, je courrais ce risque pour faire ça. Attends. Alors ça c'est ma compilation Red Dead Redemption. Parce que oui, je mets une musique Red Dead Redemption 2 hein, pour apprécier le l'art du Far West à son stylé, tu vois. Ouais, mais là on n'est pas vraiment dans le Far West, on est dans New York et on fait un peu ce qu'on veut là. Hein. Là on est héros, là on est Spider-Man là, de Rémi, putain. Je veux voir le train, je vais aller dans le train, juste pour la scène. Faut que tu refasses la mission. Hein. Ouais, mais quoi, je sais pas comment faire pour faire la mission en fait. Faut que t'ailles faire, les. Comment ça s'appelle ça les. Dans le menu. T'as New Game Plus. Ouais. Je vois. Menu. Hop. Ah ouais. C'est dans. Options. Menu. Sauvegarde manuel. Ouais, je sais pas. Bon. Bah, de toute façon, putain, les gars, ouais, j'ai un problème. Je ne trouve pas la musique de Rémi, ça me pète un peu les couilles. Là. Je la cherche. Attends. T'as pas. Je vais juste chercher le train. Je sais pas où est-ce qu'il est. Putain, je sais plus où est-ce qu'il est. Mais tu peux pas, il faut faire la mission là où tu te bats contre lui. Ouais, mais je. Non, mais en fait, moi je veux chercher le train librement. Ah, c'est bon, je sais où est-ce qu'il est. Voyage rapide, on va quand même faire ça. Oh, je l'ai. Je l'ai. Attends, je kiffe tellement ça, putain. Je sais, je l'ai dit 10 000 fois, mais là... Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, par contre, on dirait le vieux Fine Boy qui est un trop Spider-Man, qui chante super mal. Oh, il est là, le train. En plus, il arrive dès que je suis là. Allez, reste là, mon train. Merde, un cul, c'est pareil. Non, reste là. Petit train. Ah, il me casse les couilles ce train! Oh, il
trop vite. Tu pourrais faire la musique de Spider-Man, là? Ah bah oui, c'est vrai, bah, lui il l'entend pas, moi je l'avais mis sur mon Spotify, mais attendez, on va la mettre directement en version sur YouTube, hein. Ah, c'est par contre, il est dur à avoir le train. Spider-Man là. Main Theme. Je pense qu'il a dû comprendre, allez. Il est pas si teubé. Hein. C'est bon, je suis dessus. Et il s'est arrêté en plus, le con, un connard, allez. Ramène-toi, fils de pute. Allez, dis pas les mamans. Ah bon, c'est vrai, d'accord, pas les mamans. Merde, mais quel con, mais je vais crever. Mais non. Il s'est mangé le train. Il s'est mangé le train, mais j'avais le train. Je me suis mangé le train, ouais, t'as tout compris. Est-ce qu'il était bon? Ça avait un bon goût. Mais bon, j'ai pas pu trop profiter du coup parce que je suis mort très rapidement. Ah, je pense. Ah, c'est dommage qu'ils sont pas remis au cadavre. Ah, la vie. Oh. Oh putain. C'est si beau en ce moment. Reste là, toi, reste là. Oh. En plus, je suis là avec le train pour ce beau moment. Évidemment, il y a les pubs qui gâchent tout. Oh, évidemment, grâce à nos pubs. Ils gâchent bien les pubs, hein. Et c'est bien les gars, hein. Ah ça je déteste. Oh. Comment que le deuxième DLC tu vas en chier, hein. Oh putain, tu vas vraiment en chier. Putain, il est chiant avec son bouclier, lui. Bon, tu dis, il casse les couilles, son bouclier de merde. Bon alors vous voyez là on a la tenue de... là on a la musique de Rémi et là on a la tenue et là on a la musique et la musique elle est morte et là on a la musique du jeu. Tant que je suis bien mort pendant la musique. Oh il y a un petit truc là dedans. Bon, je sais pas si tu préfères la musique du jeu ou le film, mais moi je préfère le film. Moi je préfère le film par le message, mais celle du jeu est géniale aussi. Mais après celle du jeu, on se perd. Voilà. Bon. Je pense qu'après ce moment d'enjaillement, nous pourrons tous prendre une belle pause. Et respirer après ce taux de putain d'adrénaline qui est monté là. Bon bah je pense que vous avez compris que qu'on aime cette tenue. Je pense que vous avez compris que voilà c'est la tenue la plus cool du jeu, c'est le meilleur jeu du monde. Là 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 là. C'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu Spider-Man voilà. Meilleur jeu ouais. Bah, après jeu de l'année ils ont compté God of War. Mais parce qu'il est tôt. Alors, il a pas joué à God of War 4, moi j'ai joué les gens, mais... Bon, God of War 4 aussi, il méritait son titre de jeu de l'année, c'était génial. Hein. Et là, je rigole vraiment pas, il était bon. Mais si God of War n'était pas là, si Red Dead et God of War n'étaient pas là, bah Spider-Man... C'est Spider-Man. Parce que honnêtement, je vais pas vous dire, mais ça méchamment. Hein. Mais Assassin's Creed Odyssey, je le trouve vraiment bof. Ah, j'ai pas aimé du tout, hein. Le jeu déjà, il a l'air... Toi peut-être tu le trouves vraiment bof, mais moi je le trouve vraiment juste à chier. Ah non moi. En plus moi, c'est même plus un Assassin's Creed là. Vous savez, je vais vous avouer un truc, j'adore Origins, c'était bien, nanana. Mais là ça part en couille.
Ça part où? C'est même. Moi, c'est j'ai les premiers Assassin's Creed. Le 2, j'ai joué il y a aucun, aucun Assassin's Creed ne peut être comparable à Ezio, ce boss. Aucun Assassin's Creed ne peut être comparable à Ezio. Ezio, c'est le boss. Ezio, c'est le bonhomme, tu vois. Là, je suis sûr que j'ai un abonné, il s'appelle Bayek, tu vois. Il s'appelle Bayek aussi, moi. Ouais. Il kiffe Assassin's Creed, et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu vois, il va regarder toute la vidéo en entier. À la fin, je suis sûr dans les commentaires, je vais trouver un petit Ezio the Boss écrit en majuscule dans le tas, tu vois. Ouais, bon, après, sinon, il va marquer Ezio the Boss, mais Ezio c'est le boss. Ezio c'est après, le boss. Après, s'il marque Ezio c'est pas le boss, là, c'est pas normal, là. Mec, réfléchissez deux secondes. C'est pas de la merde, là, Ezio. Donc Assassin's Creed 2, j'y ai joué même. J'ai joué au 3 Assassin's Creed avec Ezio. Ouais, moi aussi, oh, j'ai fait 3. C'était génial, les 3. Bah, les 3, c'est Révélation, Brotherhood, le 2. Bon, c'est le sens inverse, mais bon, t'as compris. Bon, le 2, c'est le meilleur. Mais après, je sais pas si t'as eu Ezio The Collection, mais oui, moi, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Et d'ailleurs, je vais le redemander à mon oncle si jamais c'est possible. Pour que ça, je pourrais vous en faire 2. Ouais, j'ai envie de le rejouer là, Ezio The Boss. Ouais. À part, sauf si on l'annonce en jeu gratuit PS Plus du mois de janvier. Et là, s'ils font ça, là, ils font coup de maître, là, PS Plus. Hein. Ah, moi, pour le jeu de janvier, j'espère que ça sera Subnautica qui sera en PS Plus, là. Mais Subnautica, il est pas encore sorti, c'est le pire, en fait. En plus, c'est toujours pas pareil. Ils mettront les jeux qui viennent de sortir, ils les mettront pas en PS Plus. Par contre, j'espère honnêtement qu'ils nous mettent Ezio The Boss ou un bon Assassin's Creed, tu vois, genre s'ils mettent le 4, je kifferais, hein. Mais s'ils mettent le Ezio Collection, là, je... serait en kiff. Oh, y'a le train! Oh, y'a le train! Fais gaffe à pas te le manger parce que. Non, moi je mange pas, je maîtrise le train. Maîtrise le train, moi. Le train! Le train! Le train! Le train! Ah, bah, il est pas là. Avec le sniff, il est pas là. Bon, je vais camper devant, devant le tunnel d'entrée, hein, j'attends qu'il vienne. Hein. Spider-Man à la gare. Tada, tada! Tada! Déjà, d'une, ce serait un peu bizarre qu'on voit Superman aller à la gare ou Batman avec une tricycle. Est-ce que t'as joué à Lego Marvel? Est-ce que t'as joué au moins à un des Lego Marvel? Juste au Lego Marvel Super Heroes. Alors, est-ce qu'on m'explique depuis quand Iron Man il prend le métro, s'il te plaît? Parce qu'il a pris le métro. J'ai pris le métro. Oui, il était à poil une fois. Oui, il était en slip. Parce que Magneto il avait démonté son armure. Oh putain, les demi. Ouais. Allez, bon jeu. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve ce soir pour un petit live. Il est quelle heure? Il est 20h51. J'ai une heure pour mater mon film. Et à 22h, on va faire le live sur le. Ouais. Ah bah, je vais voir bientôt mon dormir. Bon bah, je suppose qu'on va s'arrêter là. Ouais, salut tout le monde. Mesdames, moi je vous laisse pour cette petite vidéo. Un film sublime. Voilà. Je vais juste faire un petit truc, c'est je vais applaudir grandement et grandement. Insomniac Games. D'ailleurs, on parle d'Insomniac Games, on va aller au centre fist. Parce qu'au centre fist, je sais pas si quelqu'un a fait gaffe, mais il y a plein de photos. Genre, il y a plein de photos placardées au mur en fait. Avec plein de personnes dessus. Moi, en fait, j'ai seulement vu le truc avec Tante May, qui quand elle était morte. C'était triste d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Putain, dans le métro, ça rend tellement bien. Ah, c'est encore... Bon, moi, je vais retourner. Bon, moi, j'ai pris le métro. Moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais aller me changer. Attends. Avant que tu ailles, on va juste faire un tour au centre-fist. Hein, parce que là, au centre-fist, il y a le... En fait, je pense que tu l'as pas vu, toi, mais ouais, moi, je l'ai vu. Il y a la photo des devs. Il y a tous les développeurs du jeu, en fait. Putain, et tout. Bah moi je peux pas y aller parce que je suis dans le DLC en fait, et dans le DLC il y a pas les trucs avec il y a pas le laboratoire, il y a pas le centre fist, il y a rien. Il y a juste les même il y a même pas les trucs de recherche là, les de Harry. Ouais, c'est il y a même pas, enfin les missions secondaires elles sont très peu là. Voilà, après, donc c'est normal, c'est un DLC, mais ouais, je trouve qu'il manque des choses. On y est rentré et là alors là, si je me trompe pas, les labs, ah, là ils sont là tous les développeurs, voilà. Voilà, ils sont tous là. Voilà, tous bah les écoute, développeurs. Sinon, tu vas tout ça demain. Voilà. Parce que demain je serai là encore plus tôt. Voilà. Du coup, on va faire une partie directe. Bah, parce demain, que tu moi. Tu rentres à 15h25. Oui, je rentre à 15h moi des cours, ouais. Ah,
On fera une partie. Et tu me montreras tous les développeurs, ok? Voilà. Mais d'abord, avant que tu partes, voilà, on va dire merci à tous ces devs de nous avoir mis cette légende de tenue dans notre putain de jeu. Merde! Ah putain, je t'aime, content. Et est-ce qu'il y avait des gens dans cette vidéo? C'est pas live, mais je pense que si on aurait fait ça, je pense qu'il y a plein de fanatiques de Spider-Man qui seront manifestés et tout. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vais me passer le CD de Rémi dans la console. Voilà. Bah écoute, c'est dommage qu'il n'y a plus les films Rémi dans Netflix, hein, d'ailleurs, parce que. D'ailleurs, dans les mains, j'ai un film de Justice League. C'est quoi? C'est l'invasion et j'ai Spider-Man de Rémi. Ta mère, Nick, ta mère. Non, pas le nouveau Justice League, hein, c'est un autre. Ah, parce que là, le nouveau. J'ai vu la couverture, j'avais même pas envie de le mater, frère. Moi aussi, putain, c'était moche déjà. Le premier trailer, j'ai trouvé ça moche. Je l'ai trouvé moche. Ah, par ça, qui va voir Aquaman? Parce que Aquaman, ça a l'air d'être du lourd. Aquaman, c'est bon, ça va. En plus, c'est fait avec un réalisateur super, c'est James Wan. Voilà, James Wan. Alors, moi, je me rappelle pas de ce qu'il a fait, James, mais je sais que j'avais déjà entendu parler du truc. Oui, moi aussi. Mais bon. Si tu m'aurais dit que ce serait James Cameron ou Ridley Scott, j'aurais fait Alien et Predator. Ah, parce que. Ouais, mais James Cameron, lui, c'est le boss, hein. Surtout Steven Spielberg. Hein. Venez pas me parler de Wes Craven. Surtout pas. J'ai vu Halloween 1. Je vous emmerde tous. Alors là, j'ai jamais vu de film d'horreur, mais ce que je verrai le plus, c'est ça. Hein. Parce que ça, en plus, j'ai même sa figurine pop. Elle est magnifique. Alors pour ceux qui n'ont pas maté, hein, moi j'ai. Il y a un soir où je me suis fait un petit marathon film d'horreur. J'ai maté d'une traite tous les putains de vendredi 13. Tous. Oh putain. En plus, le frère de Sébastien. Non, le frère, putain, qu'est-ce que je raconte. Le cousin de Sébastien, lui. Bruno, lui aussi, il les a tous vus, hein, je pense. Ah, oui, il les a tous vus, ouais, Bruno et ça. Et après les vendredi 13, vous savez quelle série de film d'horreur je me suis maté? Les Freddy! Je me suis maté les Freddy! Les Freddy! Les séries qui font les plus peur, Maurice! J'ai oublié Freddy Krueger. Et après, évidemment, bah oui, je me suis pas retenu. J'ai maté Michael Myers. J'ai maté le 1, le 2, le 4 était bof. Le 5ème aussi. Le 6ème, je l'ai vu, il était pas mal. Mais le 1, putain, le 1! Et le premier connard qui me sort que le nouveau il est bon? Bon, en fait, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il a l'air mauvais parce que, bah voilà, c'est du fanservice à gogo, hein. Je suis un fan de films d'horreur, merde! Dans ma caisse, j'ai pas le premier, mais j'ai les 4, enfin, j'ai 3 aliens, j'ai le 2, le 3 et le 4. Et j'ai l'anniversaire Predator. Oh merde, la manette. C'est bon, j'ai chopé la manette. Non, mais j'ai sauvé. J'ai maté Predator 1, 2, 3, et le nouveau qui est sorti cette année, je l'ai maté aussi, hein. Ouais, clairement, je l'ai vu. C'est génial. C'est beau! Moi je sais pas si le premier il était bien, mais il y avait Arnold Schwarzenegger. Si Arnold Schwarzenegger dans un film, c'est qu'il est forcément bon. Merde! À part Batman et Robin, on en parle même pas, c'était de la merde. Ah bon bah, Berkane nous a quittés. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas Just Cause 4, vous savez c'est qui l'acteur du héros dans Just Cause 4? C'est Jason Motherfucking Statham. Oh ce mec. C'est putain de Jason Statham les mecs. Et Jason Statham, il en a fait des héros de jeux vidéo. Il a fait le commandant Shepard dans Mass Effect. Il a fait la voix de Mort dans Darksiders 2. Il a fait la voix de Rico Rodriguez dans Just Cause 4 les mecs. Ah oui, il a fait aussi la voix du héros dans Ghost Recon. Si vous avez fait un personnage masculin bien sûr. Ah mais je sais pas si tu préfères Mark Hamill, la voix du Joker,
Et aussi, c'est l'acteur qui a joué Luke Skywalker dans Star Wars. Enfin, je sais pas si tu connais. Mark Hamill, c'est la voix putain. Du Joker, la voix du Joker, la voix de des séries, genre. En anglais, hein. Genre. Ah, oh, ouais. En anglais. Oh, 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 oui, Mark. C'est magnifique. C'est tellement bon, écoutez, j'en saigne des oreilles tellement c'est bien. Ouais, c'est beau. Mais évidemment, en tant que doubleur de jeux vidéo, on remercie notre ami Donald. Bravo, Donald. Donald Renew. Donald Renew. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Il a fait un travail. J'en chiale. Le type, on dirait qu'il est habité par Spider-Man. On dirait que le mec, c'est la réincarnation de Spider-Man dans la vraie vie, c'est le type. Spider-Man, le mec. Le mec, il sort chez lui, il sort pas par la porte, il sort par la vitre. C'est sa maison. C'est sa maison, c'est les maisons échafaudées là, avec les échafauds vers la fenêtre. Il descend de là, lui. Ils sont pas les coups de la porte. Ah oui, mais si je le vois en vrai, je fais deux choses. Je fais deux choses. Je lui fais un check, je fais un selfie avec lui, et après je l'invite à manger un McDo. Claire. Ça c'est trois choses, mais. Si je mange un McDo avec Donald Renew, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Alors là. Et ce jour-là, je lui demanderais de faire un truc. C'est de faire une réplique avec l'inspecteur Spider. Le moment où dans le jeu où Spider-Man fait le bonhomme, tu vois, il fait genre. Il imite. Comment déjà? Comment il s'appelle? Pittsburgh! Non, c'est pas. C'était qui déjà qui l'imitait quand il faisait Adrian? C'était Stallone! C'était Sylvester Stallone, putain le bâtard! Je crois que ouais, c'est lui! Où quand il se battait contre le vautour et le scorpion? Vautour et Electro, il faisait Adrian! C'est moi, Spider-Man! Tu vois, il claquait des références. Et quand le vautour il faisait mais qu'est-ce que tu racontes, enculé? T'as Spider-Man, il lâche. Mais putain, mais personne ne comprend mes références! Oh, oui, ça c'est dans la prison, non? Non, c'est devant le moment où tu les bats les deux là. Ah, vas-y. Et après un moment, t'as Electro, il revient, il fait Spider-Man! Et après, il prend un accent russe, je vais te briser! Et là, le mec sort. Ah, quelqu'un comprend mes références! J'ai presque plus envie de me battre maintenant! Ah bah moi. Tu vois, Donald Renew, mec, il a fait un taf, le type. Mec, il a fait un... Donc là, on a le chose qui rend Spider-Man de personne. Il a joué tout taf, le mec. Et le mec, il a joué dans The Amazing... The Amazing 1 et 2. Non, je l'ai pas vu, faut que je regarde, putain. Il a joué dans The Amazing 1 et 2. Et putain, là, vous savez ce qu'on a, là? On a un des projets de Rémi, là, on a le prochain film, on a Spider-Man 4 dans les mains. Pourquoi? Parce que là, le costume de Rémi, on a... Donald... Je crois qu'il sortirait Spider-Man 4, hein. Bon, après, je pense pas que Daniel Radio, il va... Si Donald Radio est dans... Si Donald Radio est dans un des films Spider-Man, mec, je vais au cinéma tout de suite. Bonne écoute. Bon. Alors là, déjà, j'ai une new génération, j'ai envie d'y aller voir, parce que j'ai vu tous les Spider-Man aussi. Alors moi, j'ai pas... Bah voilà, tous les Spider-Man. Moi, j'ai vu tous les Spider-Man en remix, en DVD. J'ai un... Alors, évidemment, je vais partir bientôt à la chasse aux collections, hein, parce que je n'ai pas le DVD, je les ai matés en stream. Du coup, ce qui ferait que... Tu vas rentrer dans ma chambre, t'as une petite armoire, tu vas ouvrir la main, tu vas Spider-Man 1, 2, 3, Amazing 1 et 2, et je vais prendre Homecoming et voilà. Oui, alors. Moi, les seuls Spider-Man que j'ai pas vu au cinéma, c'est ceux de Rémi, mais c'est parce que j'étais trop jeune. J'étais bah en même temps, j'ai envie de te dire, t'avais 1 mois et 2 ans, mec, je voulais aller voir au cinéma, mais. Alors même, en 2002, j'étais même pas né, hein. Je suis né en 2005, moi. Ah oui, donc. Putain, j'étais même pas né au jour du 2010, ou du premier film. Je pense que j'aurais pu aller le voir, même pas, j'aurais même pas pu aller le voir parce que j'avais 4 ans en 2007, les gars, donc j'ai pas pu aller voir le film. Bon. J'en ai vu aucun, mais au moins j'ai vu tous les autres Spider-Man. J'ai vu Spider-Man 1, Amazing 2, Homecoming. Bon, là tu regrettes un peu. Homecoming, on regrette un peu, hein. Voilà, mais on en parle pas d'Homecoming. Il n'existe pas. Chut. On n'en parle pas de lui. C'est vrai qu'il y a très peu de voltige, ok, genre, maintenant, à début je me suis bien aimé, maintenant je commence à détester ce film. Homecoming, il y a un truc que je détestais le pire, c'est que... Ils étaient où les scènes de balancement? Mais bon. Il n'y avait pas de voltige dans ce film. Oui,
C'était nul. Dans le 1, tu le voyais faire des virages entre les immeubles. Dans le 2, tu le voyais. Il surfait sur un train, il arrêtait un wagon avec des toiles. Mec, en plus, en 2002, c'était le truc qui avait moins d'effets spéciaux. Il y a plus de voltige que dans l'autre film de merde. Voilà. Dans le 3, j'avais adoré la scène où j'aurais été accroché sur un mur en train de mater le costume de, le costume noir pour la première fois. Et là, il fait un salto arrière retourné. Il atterrit sur un clocher le chip. Oh, si toujours dessus. Hein. Et l'intro l'intro du The Amazing 2 aussi, où tu le vois plonger du ciel en mode. Oui. Ah là, c'est. Voilà, tu vois. Putain, là, dans Homecoming, je vois le film, je vois aucune scène de beauté, je fais. Mais sont les balancements là? Sont? Et encore. Bon, les blagues, elles étaient pas mauvaises, mais l'histoire était pourrie, on sait même pas ce qui est arrivé à Oncle Ben, là, il est mort ou il est pas mort. Grave, il y a même pas Oncle Ben, en fait, il est où Oncle Ben? Je suis même pas sûr qu'il ait existé, en plus. Je crois dans le comic, non, il n'existe pas, mais mort. Ouais, bon, et Antimé, c'est la première fois que j'ai eu pitié pour elle. Il était... La première... C'est pas vraiment un défaut, ça, hein. Non, voilà, mais à part ça, je préférais attendre mais du 1, du 2, du Amazing, du 3ème, des. Parce que voilà, c'était la tante, c'était la vieille, elle était vieille, elle avait perdu son mari, son neveu, elle sait pas les trucs qu'elle prend. Sauf qu'à la fin, disparaît en PS4, les gars, spoil. Si tu veux pas être spoilé, tu bouges tes oreilles, tu fermes ta gueule, voilà. Mec, Spider-Man PlayStation 4, ça, c'est le premier développement de ouf de Spider-Man. Cette fois, même Batman, ils étaient même pas capables de faire ça. Non, à la fin d'Arkham. Évidemment, les Arkham, ils étaient répétitifs à part ça. J'ai affronté tout le temps le même méchant, mais l'épouvantail, je l'ai affronté dans Arkham Asylum. Je le revois dans Arkham Knight. Le Joker, il est mort. Ouais. Je le revois dans Arkham Knight. Mais tu viens comment, enculé? Bon, c'est vrai, mais. Ok, mais je trouve quand même Arkham Knight, c'est le meilleur et il y a quand même des trucs bien. Juste parce que. Moi, je l'aime parce qu'il y a la Batmobile dedans. Moi j'aime Arkham City parce qu'il y a le gros cul d'Ivy. Oui, je suis un gros pervers. Mais... C'est là, voilà, il le dit, il l'assume. C'est toi, c'est l'homme avec Harley Quinn. Putain, j'aime trop ça. Putain, ne choquons pas les petits. Il y a des petits qui regardent peut-être. Ne choquons pas les petits. Ah bah, je les conseille bien quand ils ont 13 ans. Quand vous avez 13 ou 14 ans, jouez au jeu. Vous verrez, vous serez directement pubères, les enfants. Bon, allez, moi j'arrête ça là et je vous laisse. Hein. Ouais. Et rappelez-vous, regardez Arkham City. C'est le meilleur. Et si vous avez un putain de site de streaming gratuit, tu me la mates la trilogie de Rémi. Tu me la mates. Ah non, mais là, tu me la mates. Tu me la mates. C'est pas possible que t'as raté ça. C'est comme la série animée Batman. Là, t'as raté ta vie, si tu veux. Voilà. Ça, c'est une preuve que je l'ai regardé, moi. Ta vie. Et aussi Harry Potter, parce que là, quand même, si t'as vu au moins... Si tu comprends même pas l'histoire, là, c'est que t'as raté ta vie. J'ai regardé les animaux magiques, les animaux fantastiques, ça compte. Bon. C'est un spin-off, alors j'accepte. Parce que tu sais qu'avant que toi t'arrives au cycle de la Florence, moi j'ai sorti un champ passé, j'ai fait monsieur je connais pas Harry Potter, il m'a fait quoi? T'es sérieux? T'as même pas vu le livre? J'ai même pas. Non, je lis pas les livres, hein, c'est. Je suis pas lecteur. Ah. Mais je vous promets, j'ai pas regardé tout ce qui est tout ça. Hein. Mais à part ça. Un Harry Potter? Non! Mais c'est tellement bien! Je sais! Netflix, télécharge Netflix, va sur Netflix. Bon, c'est payant, le seul problème c'est payant. Je le trouverai un streaming gratuit. Hein. Ouais, voilà, c'est mieux. Voilà, mais tu dois voir au moins, surtout le prisonnier d'Escabane. C'est le meilleur. Le meilleur en scénario. Mais vois d'abord les trois premiers, tu fermes ta gueule, tu chiales devant ça. Surtout Hermione. Là, t'as piqué pour elle, là, pour Hermione. Enfin, je vais arrêter de parler ça, c'est un peu trop. Tu vas finir, Régis? Alors, à part ça, pour vous dire un truc, c'est que j'ai à peine d'apercevoir que dans mon menu, il y avait la section DLC. C'est sûr, j'avais pas vu qu'il y avait la section DLC. Et du coup, j'ai le DLC, le casse avec Black Cat. J'ai le DLC de...
la guerre des gangs. Et là, on a le nouveau DLC annoncé. Le... Non, je les ai pas, mais genre, je les vois dans mon menu là. Ils sont... Non, je n'ai aucun. Mais quand j'aurai de la thune, je vais essayer de voir si je peux m'acheter au moins le... un des DLC, tu vois. Pour 9 francs, je vais voir si je peux m'acheter. Pour l'instant, meilleur, ça reste la casse parce que le 2, je l'ai. Aïe, putain. Surtout que c'est méga dur le 2. Surtout que les... le pire, c'est que là, ils ont une vue sur la tête d'Hammerhead. Les gars, il est laid. Oh mon dieu. Ouais, c'est vrai, il est laid. Ouais, c'est de tête d'enculé, mon gars. Alors, je sais pas si t'as vu. Bon, je sais pas si t'as vu la casse. Je sais que tu as pas joué, mais t'as vu le spoil. Oui, j'ai vu le spoil. Bon, en tout cas, moi, je l'ai vu la casse. J'ai vu la fin et tout. Et j'ai vu d'ailleurs même la scène où je crois que j'ai même vu la scène où il a failli l'embrasser en plus. Je crois qu'ils ont failli s'embrasser à un moment. Ouais, mais c'est pour moi, c'est dommage, mais voilà. Et Peter Parker, il a fallu avoir un fils. Voilà. T'as failli avoir un enfant, merde, t'as refusé. À la place, tu tapes l'autre bourre de péteuse là. Excusez-moi, pardon. Bon, j'aurais préféré moi la blonde hein, que la week-end. Ah, Gwen Stacy. Non, pas Gwen Stacy, la Mary Jane. Ah, la rousse, Mary Jane, ouais. Bon après, bon ton seul problème de Rémi c'est dans Mary Jane, dans la trilogie, elle chante. Oh putain, le mec il vient, il est prêt à lui dire je t'aime, l'autre il sort, désolé je suis avec un autre. Ouais ça c'est mec, ça, ça, 2 ans après il revient, il sort, c'est bon on peut se trouver dans un, désolé je suis avec un autre. La meuf elle est sortie avec Peter Parker, avec un cosmonaute, avec pendant quelques heures Harry Osborn. Qu'est-ce que tu prends merde. Et encore, hein, ça me tape 2 fois Osborn. Avant plus. Je sais pas si tu l'as vu, mais une fois, dans les BD, dans les comics, Gwen Stacy, elle a trompé Peter Parker avec Norman Osborn. Oh la pute. Oh la pute. Oh la pute. Le père de Harry Osborn. Ok, si ça aurait été Harry et Gwen, j'accepte. Mais là... L'autre c'est un vieux de 56 ans, 56 putains de balais enfonce dans le derche bien profondément. L'autre est là une tête d'enfant de 20 ans, je crois qu'il a 20 ans Gwen Stacy, non 26 ans je pense. Oh putain la salope. Oui du coup je disais. On a rien entendu, j'ai rien dit. Bon, d'accord, j'ai maté The Amazing 1, hein, j'avais 15 ans, me faites pas chier, merde. J'accepte. il accepte. Du coup. J'accepte. Du coup, tu. Là, non. Bon, je dirais pas que c'est pédophile parce que l'autre est à 26 ans, donc ça passe, mais. Putain, ouais. il est trop vieux pour toi, le bonhomme. Non, là, c'est donc. Ah bon, putain. Oh mon dieu, de merde. Deux jumeaux. Oh et mon dieu. Plus, l'un en plus. Deux jumeaux ressemblait à l'ex de Peter quand elle est devenue grande. Et en fait, je vais t'apporter la suite, je pense que tu connais déjà. La fille de Gwen, elle a embrassé Peter. Et Marie-Jeanne, elle a vu ça. Et dès qu'elle a vu ça, j'ai chialé. J'étais dans la toilette pendant une semaine. Je pense que je vais revivre ça là. Oh putain, où je me sens pas bien. Moi, je me rappelle, j'avais vu une BD légende, vous savez, c'était quoi? C'est qu'on apprenait qu'en fait, Peter Parker n'était pas le premier possesseur du symbiote. Vous savez, c'était qui le premier à avoir le costume noir? Des poules. Le casse-cou qui vient tout spoiler alors que c'était nous qui devait savoir. Voilà, exactement. Non, rien. Merci beaucoup, connard. Hein. Non, merci. C'est tellement cool ici. Je suis en 4 mois qui va m'insulter. Putain, mais il est chiant, lui. Enfin, bon, bref. Bref. Ah, il y a peut-être une règle devant moi. Bref, moi sur ce, je vous laisse. Ah, ben... Et là. Il a laissé moi la cathédrale, il a fait amen. Oui, mais faut respecter la maison de Dieu. Moi je préfère trouver une mosquée par ça. Parce que quelqu'un. Bon. Parce que je suis d'origine turque, moi être musulman, voilà. D'accord. Ok, d'accord. Moi je sais pas ce que je suis juste français. Vive les gilets jaunes. Je savais qu'il allait sortir. J'allais le dire en plus. J'allais le dire.
J'ai dit. J'ai lui posé la question, est-ce que du coup tu penses quand même Macron et ses décisions? D'accord. Mais bon, voilà, ceux qui sont français et qui sont à Paris avec les gilets jaunes. Macron rend pognon, ce fils de pute! Ah, macaron merde là! Ce macaron. Macaron, il fait des blagues! Surtout quand il a dit dans une interview, parce que c'est notre projet. Ta mère, ton projet, frère, il est du folle ton point, moi! Ne nous lançons pas dans la politique! Ne nous lançons pas sur politique sur YouTube, d'accord? C'est dangereux, on peut se faire tous enculer vraiment sale. Donc, ne nous lançons pas politique sur YouTube. Je vais quand même dire un truc qui m'a choqué. Bon, non, je vais arrêter là, je vais me rater. Vas-y, je te laisse parler. Voilà, bon, bref, alors écoutez avec moi là, on est sorti sur cette belle pause. Parce qu'il a, il a fait la pause où il est sur le mur là, en fait, il s'accroche à un mur là, il est en train de tenir le mur d'un côté. Ah, parce que t'as toujours pas vu ton train? Non, je le sais, j'attends mon train. Du coup, je prends une pause épique. Super stylé. Et voilà, maintenant je vous laisse et je vais quelques minutes avant le live et maintenant je vais me taper le premier film. Je vous emmerde. Voilà, allez. Bon, je te laisse regarder ton film, moi je vais te dire au revoir hein, parce que je dois y aller, je dois me coucher là. Allez. Et demain on fera ton défi là, le movie challenge. Ce sera drôle. Ça marche. Allez, je te jure, ça marche. Au revoir. Mec, je te démonte, allez. Bon. Ciao, à demain. À demain. On se voit à ton prochain live. Voilà, qui sera ce soir à 22h. Ah putain, 22h. Bon, je vais faire mieux, hein. Je vais faire ça en douce. Et par contre, il faudra pas parler fort. Parce qu'il y aura mes parents qui dormiront. Bon, je te souhaite bonne nuit. Moi aussi. Allez, à demain. À bon, les tard. Gens, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Peace. Au revoir. Au revoir.